Salut à tous, c'est Fortnite TV Show. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite les gars. Donc aujourd'hui il y a toute la team, mais ouais. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc les gars, aujourd'hui on va parler un peu de Tixi. Donc Tixi, voilà, était il y a quelques jours un membre officiel de la team Vitality sur Fortnite. Et voilà, malheureusement, donc je sais pas si pour vous c'est heureusement ou malheureusement. Il a quitté la team il y a un ou deux jours, il a quitté la team Vitality après avoir bien réfléchi. Donc voilà, son vœu de quitter la team, on va dire, était déjà de quelques jours, hein, il était déjà en réflexion. Et là, il a bien réfléchi, il a décidé de quitter la team. Et en fait, pourquoi il a quitté la team Vitality? Simplement pour faire un projet personnel pour révolutionner la vision du gaming en France. Et donc ce projet, en gros, il est accompagné de ce projet par Elgato, pour ce projet de Elgato. Et donc ce projet serait la création d'une gaming house, donc d'une maison gaming de jeux vidéo, ou alors même d'une gaming school, donc d'une école de jeux vidéo. Donc voilà, ce serait très stylé. Et en fait, il est en partenariat. Ouais, j'avoue, mec, imagine, on irait plus tard. Dans ça, mec. C'est là, ouais. École de game de jeux vidéo, mec. Tout le monde irait. C'est trop bien. La popularité. Et du coup, les gars, donc il est en partenariat avec de nombreux sponsors. Hein. Il peut pas réaliser ça tout seul. En plus, ça doit coûter extrêmement cher. Et ensuite, il va peut-être faire ce projet avec Mushroy. Voilà. Pour cette petite info, donc voilà pourquoi il a quitté la team. Donc voilà, après je sais pas si c'est bien pour vous ou pas qu'il a quitté, hein. Moi en tout cas je l'ai pas trop vu, j'ai pas trop regardé les vidéos avec lui, mais pourtant il est très bon Tixi. Mais voilà, après en vrai si il arrive à faire ce projet, tu vois, et c'est, tu vois, c'est bien, tu vois. Mais en vrai, ouais. J'ai le niveau de Tixi, hein. C'est juste que je vous le montre pas. MDR. Non mais voilà, après il fait ce qu'il veut, hein, mais si après qu'est-ce qu'on dit, Yanis, s'il réussit plus tard, bah après tant mieux pour lui, hein, voilà. En tout cas, s'il crée des gaming school, voilà, je pense qu'il y aura. ça devrait bien marcher, voilà, je pense que y a aucun doute. Et du coup voilà. Donc est-ce que vous les gars, et donc on va commencer par Yanis, est-ce que tu trouves que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle qui quitte la team Vitality? Bon, en vrai c'est un bon côté parce que tu vois, il veut faire un truc pour ouais. Les gens, tu vois. Mmh. Du coup, en vrai, c'est bien qu'il a quitté la team pour faire son projet, tu vois. Ouais, ouais, ça, ouais. Faut faire après, plaisir aux autres. Si t'en t'es pas à l'aise dans la team, après, voilà. Fais ouais. Ce qu'il veut, enfin. Après, Antoine, est-ce que tu trouves que c'est mauvaise nouvelle ou quoi? Ou une bonne nouvelle? Pour les vitalités, oui et non. Oui, parce que c'est un bon joueur. Et non, parce que. Tixi, pour moi, il sait pas jouer avec des mecs, tu vois. Tu vois, il est meilleur solo. Moi, j'ai pas. Ouais, c'est vrai que solo, il est très fort, hein, mais. Y a pas la cohésion de groupe. Moi, Team Vitality, j'ai pas trop regardé avec lui, mais. En plus, il est vite arrivé, il est vite parti, quoi. Donc, c'est ça le truc. En plus, il était 6. Il s'est pas imposé, je pense. Mais en plus, il était 6, donc. C'était un peu trop, quoi. Et après, Nolan, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Bah, moi, je m'en fous, j'ai jamais regardé des vidéos avec lui, donc. Ouais. Après, et moi après et genre, c'est un bon joueur, mais comme ouais, Infinity, bon. Genre, à chaque fois, il veut rush, quand il y a des mecs KO, il veut. Voilà. C'est coéquipier, il veut jamais aller le raise et tout ça. Ouais, genre, y a que... pas... le problème, c'est pas que... comme nous, tu vois, il veut pas reste tout le monde. Comme lui, nous, c'est rush, ouais, et les c'est comme moi, quoi. Ouais, comme toi, comme toi. Sauf que toi, tu meurs à chaque fois, et pas lui. Et toi, tu ramasses surtout les kills. En plus, le problème, c'est qu'il fait ça en compétition, tout ça pourrait être dangereux, quoi. Donc, voilà. Moi, je dis, bonne nouvelle. Est-ce que avant de finir la petite vidéo, est-ce que je peux faire une dédicace à la fin? Non. Pourquoi une dédicace à tous les français. Non, bah, vous inquiétez pas, c'est pas de la merde. Bah attends, fini du coup. Peur, et moi du coup, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui parce que voilà, il va faire son projet. Tant mieux si il réussit. Après, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle pour la team Vitality, après je sais pas, mais en plus il était assez nombreux, donc voilà, c'est en moins, on va dire que c'est bien. Et en plus, voilà, vu qu'il jouait mal apparemment. Dans la team, bah voilà, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour la team Vitality, voilà. Et mais du coup, les gars, ils font 5, mais du coup, il y a qui? Parce que il y a Ruby, Ad, il y a Mikalo, il y a Mikalo, Gotaga, mais ils sont 4 du coup. Ah, Dogby, non, Dogby, il commente. Ouais, il joue avec, c'est pareil. Ouais, mais il commente. Du coup, il y a un 5ème, mais. Ouais. Je sais pas, bref. Et bon, c'est Gotaga, il a dit qu'il était 6. ATZ.
Robbie, vous avez. Robbie, ouais. Non, j'ai dit Delo. Mais je sais pas, apparemment, il y a. Gotaga, il dit que c'était 6. Je sais pas. Peut-être qu'il y a compté Dogby, peut-être. Hein. Parce qu'il commente. Je sais pas. Bref. Du coup, voilà. Pour cette petite vidéo. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà. Si vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle que Tixi quittait la team Vitality. Et non, là, vas-y, fais ton truc là. Alors, moi, je veux passer une petite dédicace à ma banane que je viens de finir. Ah, t'as quoi? Qui est dans mon ventre. À ma banane. Oh, et c'est pour ça que tu voulais. C'est vraiment très oui, intéressant. Parce que la banane, bah, les clair. Bananes, c'est la vie. Ouais, l'autre, ça. Voilà. Clair, hein. Ouais, je suis pas la dédicace. Hein. Oh, le gars, il dit. Un petit smoothie oh, à la banane. Banane vanille. C'est, le gars, il dit. Ouais, wow, la dédicace, c'est bien. Quelle ouais. dédicace, waouh. Wow, j'adore, waouh. Bref, on va faire comme si on n'avait pas entendu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez tout entendu, les enfants. Non, non. À commenter, à partager. Et à liker, ça fera extrêmement plaisir. Et nous, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.